William Ayache, nouvel entraîneur de l'AS Cannes, a beau embrasser sa médaille, rien n'y fera. Les Varois vont subir leur 6e défaite consécutive à l'extérieur. Ils vont tenir une heure, pas plus, jusqu'à cette balle en retrait de Stéphane Carnot pour Vincent Candela, qui loge le ballon au fond des filets de Lemasson. Guingamp n'avait plus marqué depuis le 30 août, soit près de 500 minutes sans but. On a quand même eu assez d'occasions, même en première mi-temps, deux. Et bon, c'est sûr qu'offensivement, il fallait marquer des buts ce soir, comme ça faisait un mois qu'on n'avait pas marqué. Voilà, on l'a fait, c'est bien. Patrick Vieira, le futur joueur du Milan AC, n'a pas passé une soirée tranquille avec Sébastien Dallet. L'attaquant guingampais obtient logiquement un pénalty en fin de match, transformé en force par Rouxel. Victoire de Guingamp, 2-0. Imperméable au but, toujours aucun encaissé. En revanche, quand il s'agit de marquer, il y a toujours quelqu'un. Cette fois, c'est Candela qui ouvre le score contre Cannes. William Ayache, le nouvel entraîneur cannois, va connaître sa première défaite sur le score de 2-0, puisqu'à la suite de ce pénalty sifflé par M. Sars, c'est Rouxel qui corse l'addition. Guingamp 6e continue sa marche en avant. On n'avait pas pris trop de points dans ce mois de septembre. Accueillir Cannes qui venait de changer d'entraîneur. On a marqué deux buts. On garde notre but inviolé pour l'instant.